Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Je dois trouver Chinon avant qu'on ne me remarque. Autant commencer par la maison longue. Les festivités n'ont pas encore commencé. J'ai encore le temps de chercher Chinon. Où te caches-tu, Chinon? Il n'est pas là. Mais peut-être que quelqu'un l'a vu. Eivor! Finally, Tirith de Khwaled! Brigid, je suis contente de te voir. Eivor! But it's become a of Tevder. Did you faint your scarf? Merci. Brigid! J'ai trouvé un nid abandonné dans la charpente. Je vais aller l'apporter à mer. If you cattle it, then the Babans will do no lay a gut. Encore toi! La bouchère de Samhain. Bouchère de Samhain? Peu importe. Gwynedd, je cherche Chinon. Tu sais où il est? Il est occupé par la fête et m'a envoyé voir Brigid. Je me suis entraînée à la magie. Tu veux voir? Tu me conduiras à Chinon si j'accepte? Un seul tour et je te montre où il est. Bon, alors, mets la main dans cette bourse. Et le nombre de pierres que tu tiens est... 3. Une merveilleuse magie, Gwynedd. Mais il faut vraiment que je trouve Chinon. Tahlia de Yamser! Viens! Allons le trouver. Il y a les dames de... J'aimerais en savoir plus sur toi, Gwynedd. Tu es assurément un curieux petit oiseau. Mère dit que personne ne me ressemblera dans toute la création. De l'aube des poussières jusqu'à la fin des chagrins. Ta mère te fait confiance et te laisse courir le monde toute seule? Elle passe les fêtes à bénir des ermites et des vieux cailloux. Ça n'a rien d'amusant. Et ton père, Gwynedd? Où est-il? Eh bien, je ne suis pas censée le dire, mais je suis née de l'union entre ma mère et Cernunnos, le roi cornu de la forêt. Es-tu proche de Brigid? C'est comme une grande sœur. Mais je ne la verrai plus beaucoup une fois qu'elle sera partie avec Gunnar et toi. À quoi passes-tu tes journées, Gwynedd? À trouver des choses mortes pour les sœurs de ma mère. J'en ai toute une collection. Des oiseaux, des souris, des hannetons. Et je danse, je parle aux chats. Il faut que je trouve Chinon. Il y a les dames de l'église. Elles n'aiment pas cette fête. Mais ma mère dit qu'elles viennent quand même pour caqueter comme des poules. Tu veux voir un autre tour? Je peux faire sortir un gland de ton oreille. Il faut que je trouve Chinon. C'est important. Tant pis pour toi, la bouchère. Eivor, s'il te plaît. C'est le gosier qui commence à se dessécher. Pourquoi cette femme porte-t-elle un masque rayé? C'est un blaireau. Pendant la fête, toutes les grandes femmes en portent. Tu as vu l'Elderman Chinon? Oh,
Ton visage de païenne m'a surprise. La nuit est tombée, donc Chinon doit prier à l'église. J'ai besoin de le voir. Même si tu as quelque chose à régler, cela devra attendre le matin. Il s'est fait enfermer et seul Geva a la clé. Et Geva me laissera-t-elle entrer ? Elle a pour ordre de ne laisser entrer personne. Mais elle peut très bien l'oublier. Cette pauvre fille oublierait sa tête si elle n'était pas attachée. Merci de ton aide. Je parlerai à Chinon demain. C'est une dénommée Geva qui a la clé. Il faut que je la trouve. Je cherche l'Elderman de Gloucester. Eh bien, celui qui respire encore est dans l'église. Comment je puis y entrer ? Tu n'es pas censé y aller, et tu n'as aucune raison d'y être, d'ailleurs. Il faudrait me payer beaucoup à boire pour que je t'aide. J'ai l'impression qu'un peu de bière lui délirait la langue. Chinon, toi ? Il n'est pas déjà dans l'homme de Dieu. Chinon ? Pour toi, je veux bien être n'importe qui. Où est Chinon ? Marie-Louise ! Viens danser avec moi ! Tu as vu Chinon ? La Marie-Louise ! Par le ciel, c'est fort ! Je cherche Chinon. Oui, d'accord. Oui, il est dans l'église. À ce propos, si tu vas de ce côté, il faudrait lui apporter cette caisse. Dis à Geva que c'est moi qui t'envoie. Entendu. À quoi ressemble Geva ? Elle a un masque de blaireau, comme moi. Elle accourra sûrement en te voyant. Bonne chance et bonne fête de Samhain ! Geva attend qu'on livre ceci à l'église. Cela me permettra d'entrer. Ah, la caisse. Oui, par ici. Ce n'est pas trop tôt. Cela fait des heures que Sarah aurait dû la déposer. Chinon est à l'intérieur. Il faut que je trouve le moyen d'entrer. Te voilà, langue de serpent. Est-ce que tu apprécies les festivités ? Assez de ce jeu d'ombre. Toudre est vivant et je sais que tu comptais le sacrifier à ta place. Tu crois que je cherche à échapper aux flammes ? J'irai volontiers dans l'homme d'osier. Je refuse de laisser Gloucester aux mains d'un zélote chrétien. Dans quel but ?
Cela laisserait les habitants sans chef et provoquerait la fureur de l'Église. Ils ne resteront pas sans chef. Modron prendra place sur le trône au corps. Tu veux dire que Modron a menti? Nous t'avons fait tourner sur toi-même comme un chien de tuer Tourdre, Eivor. Pour diriger elle-même le Gloucestershire, une tâche pourtant bien difficile à accomplir, cernée par autant de chrétiens. Il ne pouvait en être autrement. Elle a eu une vision de Tourdre, entourée de flammes et brûlant tout ce que nous avions bâti ensemble. Tout ? Modron ? Toi ? Mais aussi Gwynedd ? Un homme doit mettre ses affaires en ordre avant sa mort. Assurer l'avenir de ses enfants. Cette sorcière et toi, c'était ça votre plan? Me faire danser au son de votre duperie et assurer l'avenir de votre fille? J'ai toujours désiré Modron. Alors, lorsqu'elle m'a proposé de prendre part à une fête de la fertilité, j'ai tout de suite accepté. Ceci a donné naissance à Gwynedd, mais a aussi unifié le Gloucestershire, ce que Tourdre s'apprêtait à détruire. C'est là que tu t'es trompé, Chinon. Tourdre a changé. Il emprunte le même chemin que toi. Tourdre ? Ce garçon est aussi têtu qu'une mule. Tu as pu le faire changer d'avis ? Pas seulement moi, mais la bonté des bandits et des Bretons. Ils respectent désormais autant le Christ que Cernunnos. Les prophéties tissent d'étranges toiles, n'est-ce pas? Il a suffi d'un enlèvement et d'une danoise pour que s'envolent les convictions de Tourdre. Eivor, Modron a dû emmener Tourdre dans son temple de la forêt. Si tu fais vite, tu pourras peut-être l'empêcher de le tuer. J'ai beaucoup à faire ici. Sinon, je t'y aurais accompagné. Va. À moins que tu aies l'intention de me tuer. Tu es déjà un homme mort. Je ne veux pas que la population pâtisse de tes méfaits. Merci, Eivor. À n'en pas douter, ta miséricorde sera récompensée. Les gardes sont vigilants par ici. Thank you.
n'arrive pas. Cette scansion. Le son est ténu, mais je reconnais la voix de Modron. Yeah.